les copains, bienvenue sur Passion et Moteur. Voilà, aujourd'hui je suis accompagné de Denis. Salut. Yes, super. Il va se lancer sur YouTube, donc je mettrai le lien de sa chaîne dans la description en bas. Là. Vous vous abonnerez, vous partagerez, laisserez des commentaires. Donc aujourd'hui Denis va nous présenter un peu son véhicule. Aujourd'hui on est au mois de juillet là. Ouais, on n'a pas trop de chance parce qu'il fait pas beau aujourd'hui. Ouais, bon, pour les plans photos c'est pas mal. C'est toulousain ça, c'est gris toulousain, c'est le temps océanique quoi. Ouais, ça va se lever vers midi. Ouais, juillet 2020, voilà, on m'a demandé de mettre des dates à chaque fois sur les vidéos. Ouais, c'est mieux. Ouais, c'est mieux, voilà. Donc il va nous présenter son modèle. Donc j'y connais rien du tout en 4x4, je dois l'avouer. Et là c'est un 4x4 américain. Donc bon, pick-up. Pick-up, pardon. Ouais, déjà ça commence. Il n'est pas 4 roues motrices celui-ci. Donc voilà, on va commencer ça, la petite présentation. Allez, voilà les copains. Super. Donc qu'est-ce qu'on peut dire sur ce véhicule de folie? Alors c'est un véhicule canadien, okay, qui arrive du Canada, qui est arrivé il y a à peu près 2 ans. Moi je l'ai récupéré l'année dernière. Je l'ai échangé en fait contre le véhicule que j'avais à l'époque, qui était une Chrysler 300C break. Donc il y a eu pas mal de travaux à faire dessus parce que je ne l'ai pas payé très cher. Il n'est pas en super état. Ouais. Il y a encore, donc il va évoluer au fur et à mesure. Il y a une peinture qui a été refaite dessus. Bon, c'est pas non plus. Du coup, tu l'as importé du Canada directement. Ça, c'est du fait maison. C'est toi qui as fait ça? Ouais. Non. Si, à mes heures perdues, je sculpte. Ah, mais t'es chaudronnier soudeur toi aussi. C'est mon ancien métier aussi. Ouais. C'est beau, hein? Ouais. C'est magnifique. Piston de mobilette, je sais plus ce que c'est ce piston. Ouais, franchement c'est magnifique. C'est plus sympa. C'est fait à la meule. Ouais. Meule et à la Dremel et tout ça. Je suis incapable de faire ça les copains. Oui, pareil, il faut pas citer les marques. Mais... ah oui, ah, c'est vrai. Ben, on mettra le lien dans la description. Alors il est équipé, donc ils ont équipé 2 manos supplémentaires. Ouais. Avec surtout le primordial, le compteur. Ouais, contour. Ouais. Qui n'est pas d'origine dessus. Ici, c'est ça qui est assez. Je sais pas si c'est à cause de la conso, mais on a toujours une énorme, un énorme témoin au niveau réservoir. Ah ouais, ah ouais, c'est marrant. Ouais, pour, au cas où on se retrouve en panne sèche aux États-Unis. Attention à ce qu'on consomme. Dessus, il y a un 5,7 litres. Ouais, on va aller le voir. 5,7 litres le moteur. Ouais. Bon, oh là là. Truc de fou. Attends, on n'a pas entendu Denis. C'est quoi le 350 chevaux. 350 chevaux. On n'est pas très propre. Hein. Non, mais il y a des amateurs, ils vont se régaler là. Voilà. Il est dans son jus. Il y a eu quelques améliorations. Donc il y a une ligne complète compétition avec un échappement Magnaflow. C'est pour ça qu'il fait un bruit terrible. Il y a le pic d'admission et des brocs. Bon, le carburateur, c'est un Rochester d'origine. Quadruple corps. Ouais, je vois là. Ça marche pas trop mal. Combien de chevaux ça fait ça? Oh, je suis pas loin de 260 chevaux, ouais, je pense. Avec l'échappement, je sais pas. Parce que on gagne au moins 50 chevaux qu'un échappement comme ça. C'est énorme. Il fait beaucoup de bruit. Ouais. Au désespoir de mes voisins, mais ils sont gentils. Et la carrosserie, elle est d'origine ou tu la repeintes et tu la retravailles? Alors bon, il a été reconstruit avec 3 pick-up différents. 3 pick-up? Je raconte pas trop d'histoire parce que moi j'ai refait le tableau d'or, j'ai trouvé le numéro de série. Il ne correspond pas à un pick-up. Bon voilà les copains, super sympa, propriétaire m'a ouvert la voiture. 5,7 litres, il fait la vidange sans lever la voiture, c'est tellement haut, c'est top. Je vous montre un peu l'intérieur. Voilà. Et c'est top, hein. C'est immense en fait. C'est immense. Ça sent bon le cuir et il y a de la place. Hein. Ça, franchement, j'adore les sièges par contre. Le Dodge, hein, c'est trop beau. C'est trop joli. Alors Seb, super la Chevrolet. Elle est magnifique. Du coup, qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette voiture? C'est un Chevrolet C10 de 1963. Ouais. Donc c'est un long bed, comme on dit. Donc c'est une benne longue et c'est un step side. Donc avec les ailes arrière qui sont assorties aux ailes avant. Ouais. Alors qu'on peut avoir le même modèle avec les ailes bombées plus old school. D'accord. Après c'est un modèle qui vient de. Alors c'est. Des États-Unis directement. Attends, on laisse passer. moi ça fait 3 ans que je l'ai et l'ancien proprio l'a rapatrié des États-Unis. Okay. Il l'a gardé un an pour la restaurer, faire 2-3 bricoles. Okay. Et la revendre. Mais ouais, elle a passé toute sa vie en Californie. Sauf les 4 dernières années. Oui. Ok. Bon, ça c'est pas trop dur à immatriculer en France, ça? Oh ben, c'est l'ancien proprio qui l'a fait, mais ouais. Non, non, il y a des procédures. C'est assez... le TAC et tout. Oui, c'est des procédures assez standards, courantes. Ouais. Tant qu'on a les papiers originaux, ça n'a pas de problème. J'adore la couleur, j'adore les chromes. C'est hors du temps. Donc après, elle est sur Air Ride, c'est pour ça qu'elle est aussi basse. Ah, c'est suspension pneumatique, c'est ça? C'est ça. Donc j'ai les interrupteurs. Ouais, on va aller regarder ça. Le tableau de bord pour pouvoir la relever et je roule en position plus haute, bien sûr. Donc là, elle est en position basse, là? Ouais, la plus basse possible. Ok. Et je peux la relever de facile 10-15 cm. Ok. Bon, on va aller voir ça. Alors, il va nous présenter les différents compteurs. Ah, j'adore l'extincteur. Le petit extincteur, il est trop beau. Bon, il n'y a pas que ça. Hein. Fabricant français, ouais, l'extincteur. Il n'y a que ça de français, quoi. Qu'est-ce que tu peux nous dire alors? C'est ça les manomètres pour. Alors, non, là, la commande des suspensions, c'est là. Ah, ouais, ok. Donc, un manomètre de gauche pour l'avant et de droite pour l'arrière. Ok. Donc, chaque amortisseur est indépendant. Ok. Et après, il y a eu. Des petits, un compte-tour additionnel. Ouais, on dirait un H-car, tu sais. Oui, c'est un peu abusé pour le véhicule, mais bon. J'adore, j'adore. Et après, les deux compteurs additionnels, c'est la eau, température d'eau, ça. Oui, voilà, température d'eau. Et ça, température d'huile. Et pression d'huile. Pression, ok. Voilà. Normalement, parce que d'origine, il y a juste un voyant. Ouais. Bon, non, mais c'est important. Il indique juste quand c'est trop tard, donc vaut mieux. Du coup, ouais, maintenant, les voitures modernes, ils le mettent même plus, la température d'huile, en fait. Non, c'est dommage. Hein. Et après, donc, c'est une boîte manuelle, 4 rapports. Ouais. Je baisse la caméra. 4 rapports. Voilà. Et après, bon, par le poste, ah ouais, le poste. Mettez-moi dans les commentaires là, si vous aimez le poste ou pas. C'est un détail, ça, c'est rien. Ça vaut cher un poste old school. Ouais, ah, poste d'origine, ouais. Hop. Yes, excellent. Et là, on voit la suspension. Nickel. Du coup, c'est plus pareil là. Voilà, elle est bien montée maintenant. Là, c'est parfait pour les dodanes. Nickel. Bon, voilà les copains. Écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu. Petite vidéo reportage aujourd'hui. On est en juillet. C'est Skière à Toulouse et petit rassemblement sur les 4x4 américains. Et autres comme c'était marqué, donc mettez-moi dans les commentaires celle qui vous a plu le plus et abonnez-vous, partagez comme d'habitude. Là je suis à côté de Shaquille, celui que j'avais essayé l'Audi A7 au début. Salut. Il est là, sa vidéo elle a cartonné, allez la voir et à très bientôt, salut.